Bonjour les copains et les copines, aujourd'hui on va lire un nouveau livre qui s'appelle Grand frère, petit frère. Voici Simon et Victor. Simon, c'est tout petit, et Victor. Simon a une super toutotte. Victor, lui, n'en voilà pas. De toute façon, Victor, sans manquer la toutotte, c'est rien pour les bébés. D'abord, Victor, qui est super fort. À lui tout seul, il peut soulever la grosse caisse de jouets. En plus, Victor a un super slip de grand. Alors que Simon a encore une couche de bébé. À table, Victor a droit au super couteau. Simon, lui, n'a droit qu'à une petite cuillère. Et encore. Au parc, Victor glisse sur le super toboggan, tout seul. Simon, lui, n'a même pas le droit d'y aller. Victor sait dire des mots super compliqués comme pastèque ou angélique. Pastèque, angélique. Simon, lui, avec sa totote, il ne peut même pas parler. La totote, Victor n'en voudrait pas, mais si Simon la lui proposait, même s'il suppliait de la prendre. Ou alors, seulement vraiment pour lui faire plaisir. Ou pour se rappeler à quel point c'est délicieux, bon, d'avoir une super toutoute. Chut! Tais-toi! Ce n'est pas encore fini d'y goûter. Qui vient par là? Mais c'est Angélique! Pauvre Simon! Angélique lui fait un super bisou. Vraiment très très doux. Sinon, Simon ne pleure pas du tout. Maintenant, Simon a eu un super câlin d'Angélique. Victor n'en a pas. De toute façon, Victor s'en manque. Les super câlins, c'est rien que pour les bébés. Heureusement, Victor, il est super grand. Il est capable de retrouver la totote de Simon n'importe où, même derrière le canapé. Qu'est-ce qu'il est fort, ce Victor! Et puis, surtout, il fait des super câlins! L'histoire est finie, les enfants. Au revoir! Je vous fais des petits bisous. Mouah!